Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre les gars, ça va être exceptionnel et j'ai peur, j'ai très peur, pourquoi? Bah parce que simplement, on est avec El Michuto de la Muerte. Yo les petits potos. Et Michou les gars, il va conduire mon bolide. Ah oui c'est vrai, mais c'est vrai là dans ma tête oui. On allait juste au McDo. Non. Bah déjà, vous l'avez vu, on va redonner une chance du coup au Chicken Avocado, pourquoi? Parce que, en gros je suis le seul à m'être fait couiller. Je suis le seul à m'être fait couiller. J'ai une petite crotte d'avocat, mais apparemment, en fait, tu peux avoir plein d'avocats. Moi, justement, les gars, j'arrive chez Valou, je dis ouais, t'as goûté le chicken avocado? Par contre, c'est dommage, il y a trop d'avocats. Il me dit quoi? Il met trop d'avocats? Je t'en veux de quoi, pardon? Du coup, je pense qu'au drive, je vais dire s'il vous plaît, mettez-moi beaucoup d'avocats. Comme ça, on verra la différence. Mais du coup, bah. Je vais conduire l'objet de la vidéo, c'est que. Là, je commence à stresser. Oh, je pense qu'on va peut-être cut en fait. Mais comme je suis un zinzin. J'ai déjà accroché ma jante au McDo. Bah, c'est bon alors. Un petit peu. Bah les gars, on va voir ça, on va voir comment ils se débrouillent. Mais avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements et les commentaires. Et on s'abonne avec la cloche. Ah bah ouais, les abonnements, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Ah bah oui, oui, comment. Code créateur Valouz les gars. Mec, je te dis la vérité, gros, j'ai la pression. En vrai de vrai, c'est pour ça que tu en vrai de vrai, je comprends. Mec, c'est pour ça que tu dois pas t'inquiéter. Ouais, parce que comme c'est. Ah, c'est stylé, c'est les sièges sur le côté. Ah, oui, c'est vrai, tu vas devoir tout réajuster. Bon, les gars, pronostic, il s'en sort bien ou pas? En vrai, ça va, c'est une automatique, tu conduis une auto. Pronostic, je pense seulement 4 accidents. Démarre le RSQ3. Vas-y. Mec, elle fait un beau bruit. Hein. Oh là là. Attends, parce que mec, ça me perturbe. C'est, je connais pas là. Tu dois mettre sur la D. Ouais, sur là, D, ça voilà, y est. Classique. Là, je démarre. Voilà, c'est ça. Là, je démarre. Mec, j'ai peur, hein. Bah, en vrai, tu vois, depuis deux jours, là, tu conduis la Formule 1 dans mon bureau là. Ah oui. Parce qu'on joue à F1 2020. Il s'entraîne. Il faut être doux avec la pédale. C'est pareil. Ok. Okay. Ah oui, parce que j'avoue, elle doit avoir de la patate. Ouais, combien de chevaux? 365, je pense. Après, c'est pas une Ferrari, quoi. Mais par contre, mec, c'est bien parce que ça a essuyé. Tu enlèves le frein à main. Bon, vas-y, c'est parti. Je te dis la route, moi, au fur et à mesure. Oh. Faut que tu t'habitues à ce qu'elle soit large, tu vois. Ouais. Et cette fois-ci, les gars, je vais pas faire le crispé comme avec la vidéo d'Inox. J'étais comme ça sur la vidéo d'Inox. Ah ouais? Je m'en rendais même pas compte, frère. Mais c'est bien, ça va me permettre de savoir un petit peu comment c'est au volant d'un SUV, gros. Ouais, bah avant de t'acheter ton Lamborghini russe en plus. Bah ouais, voilà. C'est parfait, quoi. Là, je suis en train de regarder les prix, c'est un peu. En vrai, une semaine, je l'achète. Code créateur Valouz, hein. Code créateur Valouz, les gars. Mec, par contre, dès qu'on sort de la ville, je veux tester une vraie Axel. Hein. Bah, t'inquiète, t'auras l'occasion d'en tester une. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh lolo. Mais attends, mais c'est la première fois que tu me vois conduire vraiment, en fait. J'avoue. Bah ouais, c'est vrai. J'avoue. Mec, c'est vrai. Je suis jamais monté dans ta voiture et tout. Bah ouais, j'avoue. Là, c'est à droite. Attends, mais j'avoue, je suis jamais monté avec. Je m'en rends pas compte. Tu sais même pas comment je conduis, officiellement. Attends, mais il y a Michou qui conduit, quoi, à côté de moi. Mec, tu te rends compte, c'est improbable en vrai. Ouais, c'est improbable. Le temps passe, hein. Le temps passe. Ça y est, je deviens un darme. Je conduis un Audi RSQ3. Grinardo. C'est où là? Tout droit. Pilia l'a accroché ses jantes ici. Ah ouais? Ouais. Et ça, c'est la ligne droite. Ah ouais, tu sens que ça accélère, gros. Tu veux tester une accélération sport? Oui. Vas-y, ralentis un petit peu. Passe en mode sport là. Comment on fait? Je vais vers le bas. Ah, c'est le S? Ouais. Là, t'es en mode sport. Là, je suis en mode sport là. Je peux accélérer là? Vas-y. Fais gaffe parce qu'elle peut. Wouah, mais gros. Mais mec, c'est incroyable, hein. Mec, bon, c'est dangereux d'avoir une voiture qui a autant de patates. C'est trop dangereux, gros. Mec, c'est dangereux d'avoir une voiture qui a autant de patates. Mais des fois, quand tu vas accélérer, ça fait du bien. Ouais, ouais, ça, c'est stylé. En fait, tu peux accélérer vite. Mais tu sais qu'en vrai, ça doit réveiller aussi. Genre quand tu fais. Ah ouais, moi, des fois, je suis à fond dedans. Hein. Ouais, voilà. Ah, des fois, je suis à fond dedans. Des fois, je suis agressif, mais uniquement sur l'accélération. C'est-à-dire que je dépasse pas les limites autorisées. Ouais, mais voilà. J'accélère super vite, tu vois. Et j'aime bien. Mec, par contre, le bruit, comment il est incroyable. Le bruit, il est incroyable, gros. Et attends, si elle se chauffe un petit peu, tu verras quand tu vas rétrograder, enfin quand elle va, tu vas ralentir, elle va péter. Elle va faire pa pa pa. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais ça, c'est vraiment les voitures sport de ouf qui font ça normalement. Bah oui. En vrai, je suis là à la faire tester en mode ah, meilleure voiture et tout, mais pas du tout. Je suis content d'avoir cette voiture de fou. Et en vrai, elle reste puissante, tu vois, elle est puissante. Bah oui. C'est une voiture de zinzin en vrai. Mais hein. Gros, c'est une voiture de fou, hein. Mec, par contre, SUV, comment j'aime trop. T'es haut, t'es tout en ouais, sécurité. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, je me sens safe. Après, c'est pas ma voiture, donc je suis stressé de conduire. T'es stressé là? Bah un peu. Non, ça va en vrai.
mec, elle a un vrai bruit. Hein. T'as vu? Le bruit, il est stylé quand même. Hein. Mais je pensais pas qu'elle était autant sport. En la conduisant, tu te rends compte? Ouais, bah ouais, parce que t'es à peine appuyé que t'es déjà rapide. Bah ouais, gros. Donc à fond, gros. Mais tu peux pas appuyer à fond d'un coup. C'est trop dangereux. Tu t'envoles. Je l'ai déjà fait, quoi. Ouais, après tu connais la voiture maintenant. Ouais, après je la connais. Ouais. T'as confiance. Mec, au début je me chiais dessus. Hein. Bah, gros, tu m'étonnes. J'étais dans la voiture, je me regardais dans le rétro, j'étais en mode déjà, what the fuck, c'est ma caisse. Ah oui, je vois. Tu sais, il y a toujours cette question, c'est en mode c'est ma caisse ça. Et après, bah, des fois je me fais des petites folies, j'étais en mode wow. Oh, oh. T'as des petites montées d'adrénaline, gros, ton cœur il soulève des fois. Hein. Ah ouais, mec, si t'en arrives à ce point là, c'est que vraiment la voiture. Ah oh, ouais, ça a pété là. Ouais. Ah ouais. C'est quand t'as le pass de la 3 à la 2. Oh. Ah oui. Mec, j'ai à peine appuyé, gros. Je me croyais au volant de ma Peugeot là. Tu te rends compte que c'est la troisième voiture que je conduis? Ouais. Deuxième, c'est la Audi de Beware. Ouais. Et la troisième, c'est. Et la quatrième, je me demande, ça va être quoi, hein? Chicken Avocado. Mec, il y en a vraiment partout des pubs de Chicken Avocado. Wouah, mais gros, comment elle te pousse? Mec, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, il me pousse. Vas-y, accélère un peu. Bah attends, mais on est à 400. Regarde la combien, gros. Ouais. On va pas le dire, mais t'es un petit peu au-dessus, frérot. Mais t'es que je m'en rends même pas compte. Faut que tu te mettes à droite, là. Ça va être la sortie. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu t'en rends même pas compte. Bah ouais, t'as vu, en deux secondes. T'es gros, t'es... mec, si. J'ai appuyé une seconde. C'est là, ouais. Vas-y, freine. Ah, le frein, il est un peu plus dur. Ouais, ouais. Bah, quand fait, t'arrives en balle, gros, en fait, tu dois freiner au dernier moment. Tu quoi. Dois être hyper léger sur en l'accélérateur. En fait, l'accélérateur et le frein, faut anticiper. Faut tout anticiper. Bon, ouais, c'est le grand moment là, mon petit Michelin. Ah, c'est le chicken avocado là. Surtout le moment du drive, faut pas accrocher une jante. Ah, hein. Oui, j'avoue. J'ai déjà accroché moi. Putain, si tu l'as accroché, c'est que. Non, en vrai, j'étais dissipé. C'est Pidi, elle m'a perturbé. Ah, oui, la j'avais tête. Vu la vidéo. C'est ici même. Hein. C'est ici là. C'est là, en rentrant là. Tourne à fond de balle, à fond de balle, à fond de balle. Là, je suis à fond là, je peux pas de plus. Je crois avoir que je fasse une marche arrière. Non, t'es bon là. Non. Oh la la! Oh la! Quel boss! Lucas, il faudra flipper plaque. Bonsoir. Tu sais que j'ai le seum. Tu voulais fermer les portes? Ouais, je vais fermer les portes. C'est la blague d'Inox qui m'a fait. Ah ouais? Ouais. En gros, dans la commande, il faut que tu places le mot Orlando. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Pourquoi Orlando, c'est une ville, je crois, aux States. Ah, la start and go. Ah ouais. Et il faut que tu dises beaucoup d'avocats. Bah oui, beaucoup d'avocats pour moi. Hein. Beaucoup d'avocats. Attends, Orlando. Tu dois mettre Orlando. Je sais pas comment tu vas le placer, mais Orlando. J'écoute. Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez passer bonjour à Orlando de ma part? Comment? Vous pouvez passer le bonjour à Orlando de ma part? Je ne connais pas de Orlando. Ah, bah y a un Orlando qui travaille à McDo. Ok, bah c'est pas grave. Tant pis. Ça serait pour un menu chicken avocado maxi best of. Frites coca? Frites. Fanta, s'il vous plaît. Bah, je suis en rupture de Fanta. Ah. Bah, je bois pas. Frites et viande. Avec ceci. Tu veux quoi? Un maxi best of avocado. Maxi best of chicken avocado avec beaucoup d'avocats, s'il vous plaît. On fera la dose qui a demandé. Je suis désolé, monsieur. On pourra pas faire plus. Ah, d'accord. Ok. Mais la dernière fois, j'avais pas eu d'avocat en fait dedans. Comment? La dernière fois, j'avais pas eu d'avocat. Comment ça? Bah j'avais juste eu, mais vraiment une toute petite cuillère d'avocat, même pas, ça se sentait pas. Ouais, c'est ça. C'est pas possible de payer un supplément avocado? Je veux pas faire de supplément par contre. Mais okay. On vous mettra la sauce, vous inquiétez pas. Allez, vous êtes un bon. Merci vous êtes un beaucoup. Bon. Avec ceci? Un maxi best of Big Mac avec eau pétillante frites et un cookie chocolat. Deux cookies chocolat. Trois cookies chocolat. Trois cookies chocolat. Ça sera tout? Bah je crois ce que sera ça sera tout. Ouais. Tout. Ça le 34 ans, prochain ok, ça marche. Merci beaucoup. Vous êtes le boss. Là, faut que tu fasses gaffe aussi. Mec, attends, mais la voiture, elle s'est rallumée d'un coup. Ça m'a stressé. Ah, mais ouais, mais gros. Mais tu vois. Ah, attends, t'inquiète, là, tu passes là. Là. Non, non, tu passes. Je passe là. Tout doux. Voilà, c'est bon, stop. Mec, tu le gères là, le drive. Moi, quand je conduis ma Peugeot, justement, je pense à plus tard. Je me dis, mais imagine plus tard, j'ai un gros bolide. Comment je fais pour passer à cet endroit-là? Bah en vrai c'est une habitude je pense. C'était conçu pour hein. Ouais c'est vrai. C'est juste faut pas être distrait comme moi je l'ai été. Ouais c'est ça en vrai. Ouais. Tu dois faire encore plus attention. Parce que ouais moi j'ai ma Peugeot gros, des fois il y a des endroits je me dis mais je passe à peine. Ouais. Imagine Doc avec son S63 gros. En plus pour ta voiture est longue. Bah ouais. Genre la A5 que t'as acheté, enfin que vous avez acheté pour Piware, ça doit être un peu plus dur je pense. Hein. Bah, donc c'est long, t'as pas l'habitude. Après là c'est un SUV donc c'est pas pareil. C'est moins long. Avec mon c'est d'un SUV. Hein. Aussi c'est dingue.
Mais tu l'as aussi toi. Non, moi j'ai pas tout. Tu peux pas l'ouvrir. Moi il est que panoramique. Par contre, mon intérieur il est plus stylé, je trouve. Bah, moi il est un peu crade déjà. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, la voiture en soi elle est plus ancienne, non? 2017. Ah, d'avant, ouais. Toi, c'est une toute nouvelle. 2020, ouais. Ouais, bah, ouais. Ouais, ça change. La technologie, ouais. C'est gros, ça évolue tellement vite. Ouais, que, c'est vrai, gros. Ouais. Je te jure, c'est vrai. Bah, attends, mais c'est vachement long. Bah, ouais. Parce que j'ai demandé beaucoup d'avocats. Mais David, il a dit on mettra beaucoup de sauce. Ouais. Ça veut dire l'avocat c'est une sauce? Bah c'est une sauce avocat en fait. Hein. Ah oui. Donc c'est pas du vrai avocat genre. Bah c'est bah de toute façon tu vois que c'est pas de l'avocat en tranche. Oui bah oui. Enfin ouais c'est du guacamole un peu. Enfin, pas... Je me demande vraiment si du coup ils en ont mis un peu plus. Bah on va voir. Je suis le genre de mec qui casse les couilles. Mais en vrai là c'est la seconde chance. Bah ouais là. Gros. Il faut qu'ils se rachètent là. C'est ça frère, faut qu'ils se rattrapent. Surtout que t'étais déjà y retourné. Ouais. Et il y avait la troisième fois pas d'avocat. Ouais. Le lendemain j'y suis retourné, il y avait pas d'avocat. La troisième fois gros. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, je suis désolé, on n'aura plus que deux cookies. Ah mince. Ok. Je vais vous changer un cookie. Bah, c'est pas grave. Vous avez pas un petit. Vous avez pas un petit muffin? Petit muffin au chocolat? Ouais, ouais, vas-y. Allez, c'est carré. Ouais, ça... On fait pierre feuille ciseaux, savoir qui paye? J'ai juste deux cookies en fait. Ok. Il y aura que des congelés donc. Ouais, non, y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Pas de soucis. Muffin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pierre feuille ciseaux, pour ceux qui payent. Vas-y. Vas-y. Pierre feuille ciseaux. Ok, je paye. Bah voilà. Mais du coup, il est pas là, Orlando. Comment? Orlando, il est pas là. Je ne connais pas d'Orlando, moi. Bah, c'est bizarre. Mais ça fait longtemps que vous travaillez là? Attends, mais il y a son contact. Ouais, il y a son contact. Moi? Ah ouais? Ouais. Ah bah. Ouais, attendez. Bah, il doit. Peut-être qu'il a notre McDo, non? Il travaille à Verne. Ah, ou peut-être Saint-Grégoire? Parce que moi, ici, je ne connais pas d'Orlando. Bah, ça me perturbe. En tout cas, ça me dit rien. Peut-être qu'il travaillait ici avant et moi, je suis arrivé et peut-être qu'il est parti. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, ok. Parfait. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Je pense avec Orlando. Mec, il y a un moment, il a fait. Attends, je pensais qu'il allait se retourner et dire tu connais Orlando? Vas-y, alors il dit bah oui. On est des vrais prankers, nous en fait. Mec, c'est stylé, hein. Tu sais que j'aime trop faire ça. Appuyer sur l'accélérateur quand ça avance. Faire pas. Le vrai qui coupe. Bah, gros, c'est bon. Je découvre les voitures. Wesh, il y avait un vieux avant, je suis mort. Dedans? Il m'a fait ça, il m'a fait. Mais non. Je te jure. Oh, le boss. Ils doivent te connaître dans ce McDo. Donc là, logiquement, gros, si c'est un viewer qui a fait le chicken avocado. Il faudrait lui dire viens. Qu'on lui dise, il y a moyen que tu mettes de l'avocat en balle. Mais je pense qu'il est déjà prêt en vrai, non? Putain, j'ai chier. Mais après, on l'a demandé, gros. Ouais, j'en ai. Par contre, pour le retour, je vais être un petit peu plus violent sur la conduite. Hein? Pardon? Après, t'as pas tort, faut que ça arrive chaud, hein. Faut pas me le dire deux fois. Mich, je t'aurais conduit ma caisse. Mec, j'avoue. C'est-à-dire que ce qui est improbable, c'est que quand je l'ai acheté, le premier crouton que j'ai envoyé un message, il faut que tu la conduises, c'est Dobby. Et au final, de toute la team crouton, le seul qui a pas conduit, c'est Dobby. C'est vrai. Je suis désolé, ah Dobby. Ah ouais, j'avoue. Je suis désolé, frérot. Bonjour. Bonjour. Très bonne journée. Merci. Okay. Vous savez s'il y a eu le supplément avocat? Comment ça? Bah, s'il y avait plus d'avocats dans le chicken. Avocado. Moi je sais pas. Ah ok. Ah, tu sais, d'accord, okay. Pas de soucis. Ok. Merci. Merci. Bonne journée, bon courage, au revoir. Tu l'as perturbé. Elle a peur. Attends, garde. Ouais. C'est un viewer derrière, gros. Garde-toi là-bas, tu sais, genre, je veux voir s'il y a de l'avocat. Alors, chicken avocado. Attention. Chicken avocado. Oh, là, attention. Il y en a un peu plus que la dernière fois. Ouais, mais gros, je te jure que ça, c'est pas beaucoup. Mais j'avoue. Mec, moi, le chicken avocado que j'ai mangé, vraiment, ça dépassait. Mais il y a des viewers qui m'ont envoyé des photos, ça dépassait d'où? Mais ouais, moi, c'était ça. Mec, c'est deuxième chicken avocado. Mec, c'est un McDo radin. Ouais. Alors qu'on a insisté. Hein. On a insisté, gros. On a dit, mettez-nous en plus. Et le chicken avocado, on lui aura donné sa chance en vrai. Hein. Deux vidéos en une semaine, gros, mais deux fois déçu. Bon, après, bah, là, il y en a un peu plus quand même. Ouais, faut que tu goûtes. Après, moi, justement, il y en avait trop. Ah ouais? Quand ça a dépassé, en fait, le burger, il avait limite que le goût d'avocat. Ouais, j'avoue. Donc, c'est peut-être juste au milieu. Tu sentais plus le chicken, donc peut-être que là, c'est bien. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais vraiment. Je te jure, quand j'ai vu la vidéo, par rapport aux photos qu'on m'envoyait, c'était improbable. Mais oui. J'avais ça, frère. Tu sais que moi, j'ai bugué, hein. Parce que moi, vraiment, quand j'ai goûté, ça a dépassé. C'est improbable. Ça a dépassé du burger. Ok, bon. On est reparti, mais du coup j'ai pris un chicken avocado alors qu'en vrai c'est genre. En vrai tu t'en bats les couilles, ouais, j'avoue. Ça, ouais. Mec, j'avoue qu'elle est vraiment. Elle a vraiment de la patate. Hein. T'appuies à peine sur la pédale, gros. Mec, les petites accélérations c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. Juste appuie à fond de balle là, d'un coup. Mais
mec, comment elle arrive encore à accélérer? Comment elle arrive encore à accélérer, gros? Tu sais que normalement, quand on est déjà rapide... C'est à gauche. Normalement, quand on est déjà rapide comme ça... Ouais, là, elle galère à... T'appuies sur l'accélérateur, ça avance pas d'un coup comme ça. Hein. Mais gros, quand je suis allé en Allemagne, j'étais à 220. Je continue à appuyer à fond de balle, elle continue à accélérer. À 220 pourtant. À 220? Oui. Je suis monté à 265. Attends, 265? Et 265, ça fait peur. Bah ouais. Je pense plus que je le referai, tu vois. Ouais, 265. Sauf sur un circuit de course. Mec, tu fais. Le volant il bouge un peu, ça part tout seul. Ouais, bah là, en fait, tu peux mourir. Bah oui. T'as une idée de ta prochaine voiture que tu t'aimerais acheter si, une fois que t'as fini les 3 ans de jeune permis? Franchement, je pense Merco Classe G. Ok. Genre. Les SUV Ouais. Genre GLE, Mercedes, un truc comme ça. Mec, par contre, ouais, quand tu vas vite et qu'après tu freines et que ça... Ouais. C'est stylé. Trop stylé. C'est satisfaisant de fou. Hein. Bon, direction la maison pour Graille, en fait. Allez, c'est parti. Bien joué, t'as passé ton diplôme de... Et alors, du coup, ma conduite, ça va? Franchement, 10 sur 10. Ouais, le boss. Ah le ouais boss. Ouais, le boss. Les loulous. Ah, mais c'est vrai, il y a Yuki. Attends. J'avais oublié, là. Ça va, Pid? Coucou. On t'a pris un Big Mac. Zéro, moi. Alors, les amis. Ça va ou quoi, Loulou? Du coup, je prends lequel, moi? C'est celui où il y en a le plus. J'ai hâte de voir. Et mine de rien, on a tous pris de l'eau. Bah, lui, en vrai, il y en a quand même pas mal. Hein. Déjà, on peut dire que toi, t'en avais encore plus que ça. Moi, j'en avais plus que ça. Moi, vraiment, en fait, quand t'ouvrais le chicken avocado, tu voyais la trace verte. Ah, quoique lui, il est lourd aussi. Hein. Bon, quoi, c'est, en vrai, c'est exactement les mêmes. Une trace verte autour, genre. Ah, ouais, comme sur l'image, en fait. Ouais, comme sur l'image, je te jure, c'est vrai. Après, quoique, quand tu le regardes comme ça, regarde. Il est coloré avec le chou et tout. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir déjà à celui qu'on avait eu la première fois, Loulou. Ah ouais. Je peux goûter? Ça te dérange pas? Non. Cool. Même au niveau du goût. Hein. On sent plus l'avocat. Mmh. On me lave. C'est là, ça me fait penser à quoi? Quand tu trempes les Doritos dans la sauce salsa. Dans la sauce guacamole. C'est pas la sauce my salsa? Le guacamole, ouais. La sauce my salsa. Moi, j'attends personne, je démonte. Non, mais... comment il est heureux, là, il t'a piqué ta place, ouais. Muston, tu veux quoi? Tu veux un avocado from Mexico? Allez. Mec, il veut pas. Bah allez, gros. Allez, viens, 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 on va jouer. T'as trop pas d'autorité, gros. Mais gros, je vais le pousser, hein. Bah... Vas-y, pousse-le. Muston, vas-y, pousse-le. Pousse-le, on verra que t'as aucun cœur. Regardez comment il y a aucun cœur. Il y a aucun cœur. Mais arrête. Il l'a poussé comme un malpropre. Arrête. Putain, comment tu vas pas respecter? Mais arrête. Vas-y. Mais... Ils sont encore en train de se bastonner là. Oh! Avocados from Mexico. Bah. Mais je rêve. Attends. Ton coup? Mais attends, mais c'est. Wesh, les gars, bien! Mais j'ai. Mais attends, attends. Attends, mais c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Il a écrit dans le carton. Mais attends, mais il a écrit wesh, les gars, bien! Wesh, les gars, bien! Attends, mais c'est. Mais attends, mais... Par contre, ça se fait pas, c'est pas du tout hygiénique. Hein. Bah, c'est vrai que du coup, ça me perturbe. Mais attends, mais je suis perturbé aussi, là, wesh. Mais attends, mais c'est impro... Bah, du coup, t'as une réponse? Ah, bah, c'est Orlando. Ah, c'était Orlando. C'était Orlando. Mais du coup, tu lui réponds quoi, Orlando? Bah, bien. Wesh, les gars, bien, bah, bien. Bien, mais j'ai toujours pas eu ma maxi-dose d'avocado. Mec, là, je trouve que c'est bien dosé. Ah ouais? Non, c'est vrai que là, parce il est très bon. Là, tu sens l'avocat, mais tu sens le poulet. C'est vrai. Je te dis, on a vraiment ouais. Non, mais c'est vrai que là en plus, plus je croque dedans, plus ça s'étale un peu partout. Et c'est bon. En vrai, il est bon. En vrai, il est bon. Hein. C'est dommage. Ça fait trois fois que je le goûte et trois fois que j'aime bien en fait. Trois fois que. Ah, t'en as repris une deuxième fois? Ah, ouais, le lendemain. Non. Et c'était le même? Ouais, exactement la même dose. Non. Du coup, je me suis dit, bah attends, mais sous de ma gueule. Mais en fait, en gros, quand j'ai sorti la vidéo, les gens ils m'ont tellement dit. Tu t'es fait baiser? Ouais, je me suis fait baiser que. Mais là il est très bon, c'est le meilleur que j'ai goûté. Il est pas bien cuit le steak, moi. Je vous jure. Toi t'as pas l'air satisfaite de ton Big Mac, hein. Bah. Mais en fait, on doit te dire un truc. Quoi? On lui dit. On lui dit. On a mis des laxatifs dedans. Bah alors là vous êtes un gros mytho. Mais pourquoi? Tu sais quel goût ça va? Non. Mais attends, mais là, laxatif, c'est que je vais genre aller chier là après. Bah du coup. Non mais c'est pas vrai, genre on a des laxatifs dans la voiture, tu sais. Je me rappelle au Canada quand ils nous avaient changé notre j'avais trop le seum. Comment j'avais trop le seum. On avait attendu 2 heures ou ouais. De quoi? Donc ouais. En vrai t'inquiète, on a rien fait. Au Canada quand ils sont dans le bateau, Inox et les Edoc. Ah oui. Eux ils se sont pété le ventre et nous ils nous ont ramené de la merde. Ils non, avaient pas... tout switché. Non en vrai
En fait, ça va. Sauf qu'on mangeait et rigolait. Mais ouais, c'était horrible. Et du coup, gros, t'es en mode putain, j'ai plus envie de manger, genre. Ah oui, c'est en fait, ils avaient simplement mis les burgers dans d'autres boîtes. Ouais, oui. Et il y en avait un qui était épicé. Les chiens, je suis désolé. Je vous avoue, j'étais un peu trop gourmand. C'est-à-dire que j'ai bien aimé mon burger. Mais il me reste du chou. Moi, j'en ai. Toi, t'en as ? Yuki, elle a déjà goûté ou pas ? Burger ? Ouais. Ah mais attends, mais j'ai capté que ça c'est du chou rouge, je pensais que c'était les oignons rouges, moi. Ouais, c'est du chou en fait. Mustang, il a l'air de bien aimer le chou. Yuki, allez hop, Yuki a l'air de bien aimer le chou. Je donne un bout à Mumu. Donne un bout à Yuki. Oh, Yuki. J'ai envie que voir sa tête. Yuki, dégustation de burger. Mais comment elle salive tes mains. C'est bien. Ton premier burger. Mais non. Oh, je pensais qu'elle allait avoir bagarre générale. Là. Quand ça touche à un burger, il y a bagarre générale. Alors je pense qu'elle a bien aimé. Elle a l'air stressée, on dirait. Non, en vrai, elle a bien aimé, je pense. Elle en veut. Ça y est, t'as créé un monstre. Voilà, ne jamais donner un burger à son chien. Ah oui. Il se transforme en pitbull. Je vais donner un burger. Ah ouais, tu donnes un doudou, ça veut, à Mustang. Mais attends, mais il est gros le bout de doudou, là. Vas-y, je le coupe en deux. Vas-y. Bug. Oui. Ouais, c'est, je te jure, c'est. Ouais. Ça devient, c'est plus la même bug. Ah ouais, c'est plus la même bug, je te jure. Eh, Yuki. Oh. Bah après, elle peut pas te faire, t'as plus dedans. Ah ouais, me chicler, moi, quand même. Ah, Yuki. Regarde Mumu, là. Oh. Mumu, assis. Regarde Yuki. Mais... Elle fait trop de la peine. Mumu, assis. Eh, assis. 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 C'est bien. C'est bien. Donne la patte, c'est bien. Mais c'est des démons, hein. C'est des démons, frère, hein. Yuki, elle va devenir folle, là. Bah, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, GG au Mich. GG au Mich qui a bien piloté. Ah oui, c'est vrai. Oui, il a bien piloté, hein. Franchement, j'étais tenu. Hein. Bah ouais. Et puis, l'avocado, en vrai, il est quand même validé. Franchement, je pas mytho, j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'attends mon burger où j'en aurai la dose. Donc, si y a un petit serveur McDo, là, le jour où j'arrive, tu me mets la dose. Celui qui a écrit « Wesh bien ah, ». Ouais, j'aimerais bien avoir ton blaze. Et frérot, on s'appelle quand j'arrive et t'inquiète, tu me régales. Bah les petits potes, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. On se dit à la prochaine. Mais t'as toujours pas compris la phrase. De quoi ? Des pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Ah merde.